kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running, running for you every day and night. I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. On s'en va à la salle. Donc on est lundi, reprise à fond du sport. Comme vous le savez, là je reviens de vacances. Donc je ne m'étais pas du tout entraînée pendant les vacances. C'était vraiment repos. Donc là les trainings sont durs, il faut se remettre dedans. Mais bon, tranquillement on y va. On culpabilise surtout pas de ne pas s'être entraînée ou d'avoir un peu moins bien mangé. Voilà, c'est pas grave, on va réguler tout ça. Et donc là aujourd'hui c'est un training qui va être ciblé sur les jambes. Je vais faire surtout un focus sur les quadriceps et les ischios, donc l'avant et l'arrière de la cuisse. Et voilà, donc ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous filmer mon entraînement, de vous filmer un petit peu les exercices que je vais faire. Et puis après de vous montrer un petit peu sur une journée comment je vais manger, etc. Comment je m'organise. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là personnellement j'ai pas encore repris le travail, donc là c'est voilà, les journées sont quand même relativement plus faciles à organiser, si je puis dire. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc là j'y vais avec Jérôme. Donc Jay il fait aussi un entraînement jambes. Voilà. Cuisse et reprise. Voilà, ça va être dur, mais voilà, on est motivé, hein, comme d'habitude, on a nos objectifs en tête. D'ailleurs, mes nouveaux objectifs physiques, je vais bientôt vous en parler. Voilà, je pense que soit je vous en parlerai dans la vidéo, soit je vous ferai une vidéo vraiment dessus. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo va vous plaire. Je trouvais ça sympa, je l'ai déjà vu sur plein d'autres filles qui tournaient plus en mode spontané que... En fait là directement je vous emmène avec moi, en fait avec ma caméra, et je trouve ça sympa, je trouve ça plus spontané, plus naturel, et je sais pas, je préfère largement filmer comme ça que d'être assise avec le trépied, etc. où je trouve ça un petit peu moins naturel. Donc on va tester ce genre de format, et puis si ça vous plaît, on continuera comme ça. Voilà, allez, on se dit à tout de suite à la salle. I want you to show me how to get to know someone like you. Someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. It all right in time.
still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Terminée. Je suis désolée, mais la lumière elle est bien là. Je suis obligée de poser l'appareil photo sur son épaule. Super. Mais là, je te jure, c'est bien là. Là, parce que la lumière elle est sombre. Ouais. Donc là, training terminé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'était sur les quadriceps et les ischios. Donc, j'ai essayé de vous filmer un maximum mon training. Franchement, ça a brûlé de ouf. C'est dur, hein, franchement, les jambes. Pour moi, c'est vraiment le groupe musculaire le plus dur. Les sensations, elles sont énormes. Mais voilà, une fois que vous l'avez fait, vous êtes fiers de vous. Et donc, ensuite, oulala, c'est sombre, hein. On ne voit plus. Donc, quand tu filmes, il y a la forêt. On passe dans la forêt. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ensuite, je vais me poser un petit peu pour vous expliquer donc mes objectifs physiques que j'ai pour cette rentrée, là, en septembre. Donc, des objectifs physiques encore plus hauts. Hein. Comme je vous disais, c'est super important de vraiment vous fixer des objectifs pour continuer à évoluer, pour continuer à vous challenger, pour continuer à vous motiver. C'est hyper important. Et donc, moi, cette année, nouveaux objectifs. Je suis vraiment focus. J'ai envie encore d'évoluer. Et du coup, en arrivant tout à l'heure à la maison, je vais me poser un peu et je vous expliquerai un petit peu plus ce que je recherche là dans mes trainings et dans mes perfs, dans tout en fait. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Il est 13h, donc on va déjeuner. Là au menu, moi c'est très important et il faut que vous fassiez aussi, c'est de toujours avoir votre apport de glucides. Nous c'est du riz basmati. On a également une source de lipides avec avocat et du poulet rôti. Moi, je trouve ça délicieux. On va bien se régaler et on a donc tous nos macros. C'est top. Bon appétit. Ça y est, le déjeuner est terminé, l'entraînement aussi. J'ai un peu plus de temps pour vous parler donc de mes objectifs physiques. Je sais que vous étiez nombreuses à me demander, Léonie, du coup là en cette nouvelle année, quand je parle de septembre, de cette rentrée, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu recherches de plus, qu'est-ce que tu veux améliorer, etc. Je trouvais ça sympa de vous en parler, à savoir que c'est super important de vous fixer les objectifs. Personnellement, je trouve que ça vous permet de rester motivé, de rester focus, et ça vous permet aussi de mieux organiser vos journées, vos repas, etc. parce que vous savez vraiment où vous voulez aller. N'hésitez pas à vraiment être précise sur ce que vous voulez, pas juste je veux perdre du poids ou je veux prendre du muscle. Vraiment précisément, oui tu veux prendre du muscle, mais où? Oui tu veux perdre du poids, mais combien, etc. Vraiment vous fixez des objectifs bien précis et surtout une deadline, donc une date à laquelle vous voulez atteindre ces objectifs pour vous motiver encore plus, évidemment dans la limite du possible, mais avoir vraiment une date comme, je sais pas, un mariage, un anniversaire. Des fois on a des dates comme ça où on a envie d'être bien pour ce jour et du coup ça peut être plus ou moins motivant. Mais voilà, moi généralement à chaque fois je me laisse un an pour mes objectifs et à chaque fois après à la fin je fais le bilan et après on repart pour une nouvelle année. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis fan de Michelle Lewin et notamment de son physique. Je trouve que son physique j'aime trop. Voilà, après c'est chacun ses goûts, etc. Mais moi c'est une femme que vraiment j'admire physiquement.
Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que vous admirez quelqu'un physiquement que vous devez absolument devenir comme elle. Cette fille, c'est une motivation, c'est ce qui me donne envie d'aller à la salle, d'aller me booster, de me donner cette énergie, c'est grâce à elle. J'aurai jamais exactement le même corps qu'elle, et ça je l'ai bien compris. Moi je vais travailler à la salle dur pour devenir la meilleure version de moi, et c'est ce que je vous encourage à faire, c'est de travailler dur pour devenir la meilleure version de vous. Donc moi actuellement, ce que je recherche à développer, alors sur le haut du corps je me trouve quand même assez développée, je vais quand même chercher à me développer un petit peu plus musculairement, donc à avoir un petit peu plus de masse sur le haut du corps. Mais c'est surtout moi sur le bas du corps où je trouve que je n'ai pas vraiment les cuisses que j'aimerais. Moi j'aime beaucoup les cuisses bien tonifiées, bien fermes, et j'y suis pas encore, donc j'y travaille dur, vraiment très dur. Vraiment, j'essaye toujours de modifier mes entraînements, d'aller chercher des nouvelles techniques, d'aller plus loin dans la brûlure, etc. Mais c'est long, voilà, Rome ne s'est pas construit en un jour, donc j'y travaille tous les jours. J'y travaille pour y arriver, puisque même dans l'alimentation c'est important. Donc moi ce que je cherche surtout, c'est développer plus de masse musculaire sur les quadriceps, les ischios et les fessiers. Et donc pour ça, je vais intégrer des cycles de force à mes entraînements. Je vais aussi faire beaucoup d'hypertrophie et également augmenter mon apport calorique, parce que évidemment si vous voulez prendre de la masse musculaire, vous devez aussi manger beaucoup plus. Donc là, ouais, pas le choix. Moi qui déjà me dépense beaucoup physiquement avec mon métier de coach en salle, il va falloir que j'augmente un max les calories pour pouvoir m'épaissir et prendre plus de masse. Voilà, donc ça c'est mes objectifs à moi, donc n'hésitez pas à écrire vos objectifs à vous, je trouve ça super, ça m'a vraiment aidé et je pense que ça peut aussi vous aider. Voilà. Et voilà le repas de ce soir, des glucides avec du riz basmati, également des bonnes crevettes que j'ai fait revenir avec du sel, du poivre, du basilic et aussi une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, bonne source de lipides. Et pour finir, des haricots verts pour l'apport de fruits et légumes. On va se régaler! Voilà, cette vidéo s'achève ici, donc c'est vrai que ça fait déjà pas mal de minutes que je filme. En tout cas, j'espère sincèrement que ce nouveau format vous plaît. Voilà, c'est des vidéos, comme je vous disais, plus spontanées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce nouveau format, ça me ferait super plaisir. Et moi, ça me permet de savoir si je continue ou pas sur cette version. C'était vraiment une journée avec moi de A à Z. Vous avez pu voir ce que je mangeais, comment je me suis entraînée, etc. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire eh bien, les objectifs que vous avez pour cette nouvelle année. Ça me ferait super plaisir de savoir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est avec très grand plaisir que je vous répondrai. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, mais aussi à t'abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous. Salut tout le monde. That feels good.